m'appelle Kerti Gérard Auclou, qui m'a 56 ans, qui m'a un artiste, me chante, me fait la musique traditionnelle de l'île Maurice et qui me fabrique la ravane, c'est le tambour traditionnel de l'île Maurice. L'origine de la ravane, l'histoire de la ravane, pour moi, c'est pas un esclave quand je viens de Maurice. Je ne suis pas venu avec aucun instrument, avec aucun. Je viens juste avec toutes les cours. La scène du pied à la main, coup de fouet. Mais avec pour pas de souffrance, j'ai déjà fait un instrument. Parce que dans l'Afrique, j'ai déjà fait un instrument, j'ai déjà fait un tam-tam là-bas. Mais ici, j'ai fait un instrument, j'ai déjà fait un instrument facile, c'est faire fabriquer une ravane. Il y a une affaire qui est vraiment assez riche quand on fait vraiment avec l'équerre, avec professionnalité. Il vient nous dire vraiment de sentir qu'il y a une affaire, une lame qui a un son là, quand on joue, il y a un sentiment, il y a un moment là. De sentir qu'il peut vraiment aller, te rentrer dans la transe. Quand on joue, il te fait lire, tu rentres dans la transe. Tu sens histoire, vraiment, lire histoire. Vous avez là, tambour là, histoire. Mais moi, mon God, lire d'une manière, mon ami, jusqu'à aujourd'hui, dans le pays, je lis, nous faisons lire bien. Moi, je lis que moi, je suis même, mon sentiment. J'aime nous identité. J'aime nous, j'aime qui nous, tu parles dans l'Europe, tu parles partout. C'est quand tu veux quitter la musique, tu joues. Tu joues Ravan, tu joues Sega. Mais quand je tente ça, je me dis, ah waouh, je gagne un choc parce que c'est ça l'instrument là. Je ne vais pas t'en nier dans l'Europe, pas t'en aller, pas qu'on nie. Maintenant, il y a une marché. Nous avons un marché touristique qui nous fait touriste. Je ne vais pas faire du gros. Je fais une petite ravane, je fais touriste content, découvrir lui. Et en plus, je suis capable de sortir lui pour que je puisse amener à l'extérieur.